Le personnel médical de la commune rurale de la sous-préfecture de Kakoni, dans la préfecture de Gawal, vit un calvaire depuis plus de 5 ans maintenant. Pour cause, le centre de santé de cette sous-préfecture, situé entre Gawal, son chef-lieu, et la préfecture de Télimilé, ne dispose d'aucune ambulance pour les cas de maladies qui nécessitent des évacuations. La seule ambulance qui existait est en panne de moteur. Elle est garée dans l'enceinte de la cour du centre de santé depuis 5 ans, selon le médecin-chef du centre de santé, Dr Souleymane Badiar Diallo. Il y a l'ambulance qui est en panne depuis 5 ans. À mon arrivée ici, lors de la passation des services, on a mis dans la passation, il y a l'existence d'une ambulance, mais elle est en panne. Elle est en panne, donc nous avons un grand problème par rapport à ça. Les cas disant souvent, on se met en accord avec les syndicats, les transporteurs de Kakoni. Quand on a un problème d'urgence, on les fait appel, ils viennent, ils nous aident. Pour avoir un véhicule soit vers Télimilé, soit vers Gawal. Parce que ici, c'est la limite entre Gawal et Télimilé. Donc, c'est au malade de faire son choix où il doit aller se référer. Chaque fois qu'on envoie des rapports à Gawal et ailleurs, ou bien chaque fois qu'on a des étrangers, on a nos chefs qui quittent ailleurs vers Conakry, on leur parle de cette ambulance qui est en panne. Il y a toujours des promesses. Ce sont des promesses qui ne sont pas été encore réalisées d'abord, qui n'ont pas eu jour. Ça ne fait même pas une semaine. C'est une femme qui était là, elle était diabétique. Son taux d'hémoglobine était vraiment très élevé. Donc, c'est à part de là elle a rendu l'âme. Elle était à Indesare, ça ne fait même pas une semaine. Par manque d'ambulance, bon. Elle a été évacuée de Gawal pour qu'on ait arrivé ici, donc. Il n'y avait pas de véhicule qui était prêt pour aller, donc elle a rendu l'âme ici. Docteur Souleymane Badiar Diallo sollicite des nouvelles autorités, notamment le ministre de la Santé, l'octroi d'une ambulance pour faciliter le transport et l'évacuation des malades. Mais on pense qu'avec l'arrivée de la nouvelle autorité, ça peut aller. Docteur Pété, le ministre de la Santé, ce qu'on peut lui dire, c'est de nous venir en aide pour qu'on obtienne une ambulance pour la population de Kakoni. S'il y avait des connaissances entre nous, j'allais l'appeler au téléphone ou l'écrire officiellement et lui demander de nous aider à avoir une ambulance. Donc, peut-être le ministère de la Santé. L'arrivée d'une nouvelle ambulance au centre de santé de Kakoni sera un véritable ouf de soulagement pour le personnel de santé et la population de la localité qui ne cesse de croître.